Partagez, partagez massivement. Le FBI est là. Le FBI est là. Voilà. Le débat est clos maintenant. Le débat est clos. Oui. Il vous a dit, dans un débat aussi gigantesque, tous les détails comptent. Tous les détails, ça compte. Parce qu'il y a l'impression que on veut se voiler la face. Voilà, on veut vraiment se voiler la face sur l'affaire de Bob Lee. Mais nous tous, on sait, aujourd'hui, là, après le direct de Yaka, on sait comment est-ce que, voilà, ils ont géré. Mais en fait, je vais vous faire une étude comparative sur quelque chose que vous ne vous en rendez pas compte. Voilà, comme ça, Yaka, cette histoire de mort de Bob Lee, là, nous tous, là, hein, on va enlever nos pieds dedans. Est-ce que vous comprenez? Je suis le FBI, je suis le Nangama, je suis le cyborg. Moi, là, quand il y a un débat sur la toile, là, il prend le temps d'analyser tout le monde, il prend le temps d'écouter tout le monde. Voilà. Je dis ici, je persiste. Bob Lee, là, hein, il a été assassiné, ce n'est pas discours. Oui. Soit par poison, soit par des complots, par des personnes qui en voulaient à la personne. Parce que plus tu écoutes, plus tu comprends que il y a beaucoup de discours qui se rejoignent. Quand tu écoutes Souley de Paris, quand tu écoutes les acteurs, les personnes qui étaient autour de Bob Lee à la dernière minute, quand tu écoutes les gens qui appellent dans les directs de Souley, tu peux tout de suite conclure que Bob Lee, là, c'est quelqu'un qui a fini avec sa vie. Et ça, là, je vais vous faire comprendre dans cette vidéo-là, rapidement. Est-ce que vous comprenez? Ben c'est maintenant là, moi là, je vous ai dit, moi je prends mon temps. Je vous ai dit, je prends mon temps. Et moi, mon temps là, c'est tellement précieux. Famille, partagez cette vidéo là massivement. Invitez vos amis. Je vous fais écouter ici beaucoup de révélations. Beaucoup, beaucoup de révélations. Et on va étudier le dossier, vous et moi. Si jusqu'à preuve de contraire, là, le papier d'autopsie n'a pas encore été déclaré à la, en tout cas, à la place publique là, c'est que là, c'est parce qu'il y a des gens qui se reprochent gros des choses dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui se reprochent de choses dedans. Donc du coup, là, ils ont préféré charger funérailles de Bob Lee là, pour écarter tout le monde. Au fait, pour ne pas que personne, les gens soient au courant de ce qui se passe. Famille, partagez cette vidéo massivement. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Taguez-moi Yaka Yaka ici, Yaka Yaka de Paris. Voilà. Taguez-moi Yaka Yaka de Paris. Dites-lui que moi, là, j'ai quelque chose à lui dire sur l'affaire de la mort de Bob Lee. Parce que même lui-même, il s'est fait avoir. Voilà. Même lui-même, il s'est fait avoir. Partagez, invitez vos amis massivement, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Je vous dis, dans un dossier comme ça, les détails, toutes sortes de détails comptent. Partagez massivement, invitez vos amis, c'est très important. Vous êtes déjà 500. Taguez-moi Yaka Yaka de Paris ici. Dites-lui de prendre son tabouret. Tu as fait ton direct. Tu as mis les audios. Mais il y a des choses que tu as ratées. Et moi, là, je vais t'aider. Pour que tu comprennes que ton ami Bob Lee, là, hein, ceux qui l'ont pris, là, ils ont fait exprès d'écarter tout le monde. Ils ont fait exprès de faire le truc en eux. Et ils n'ont pas le courage d'accompagner le corps de Bob Lee. Ils ne peuvent pas l'accompagner. Parce qu'ils ont fait ça propre. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Partagez massivement, invitez vos amis. Partagez, partagez au maximum. Le FBI est là, ça ne chauffe pas. Oui, le FBI est là, ça ne chauffe pas. Ils veulent signaler le direct. Partagez maintenant sur le cœur, s'il vous plaît. Partagez massivement. Moi, je dis ce que les gens pensent tout bas. Je dis que le gars, là, ils ont pris sa vie. Et ceux qui ont pris sa vie, là, ce sont les mêmes acteurs, là, qui ont organisé ces funérailles de merde, là. C'est eux. C'est eux qui ont écarté tout le monde. Parce qu'arrivé à un certain moment, si vous avez remarqué, la mort de Bob Lee était devenue politique. Voilà. La mort de Bob Lee, là, était devenue politique. Quelqu'un qui était blogueur, ils ont écarté tous les blogueurs parce qu'ils se disent quoi? Les blogueurs sont dans l'émotion. Les blogueurs ne peuvent pas gérer ce qui se passe. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Le FBI est là, ça a chauffé. Partagez massivement, invitez vos amis, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît.
Mettez assez de cœur. Partagez le direct massivement. Mettez assez de cœur. Partagez massivement, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Je veux que vous sécurisez ce direct-là parce que là, on va rentrer en zone de turbulence. On va rentrer vraiment en zone de turbulence. C'est très important. Partagez, mettez assez de cœur, la famille, s'il vous plaît. Voilà. Le FBI a décidé de parler. Moi, avec moi, là, c'est avec les preuves. Et puis, on va s'écouter attentivement. Oui, on va s'écouter attentivement. Taguez-moi Lasso ici. Lasso, moi là, il a dit faut prendre ton tabouret. Voilà. Tu as trop, Yéri, tu n'es pas blanc comme neige. Toi-même là, tu as trop donné de précision dans cette affaire. Tu as trop donné de précision dans cette affaire. Et tes précisions se rejoignent avec certaines personnes qui ont appelé dans le direct de Soulé. On a pris tout le temps de garder ça au frais. Oui, toi Lasso là. De la manière que tu es au courant qu'il est mort le 11, là. Toi, tu dois nous expliquer ça. Est-ce que toi, tu finis pas deux boules d'Atcheke? Tu finis deux boules d'Atcheke. Quelqu'un meurt dans sa maison où il n'y a personne. Et toi, tu es au courant qu'il est mort le 11. Et puis, nous, on n'a qu'à avaler ça. Nous, on est bêtes, quoi. Moi, j'attendais que vous ayez fini vos cinémas, là. Et puis, on va rentrer en ligne de mire. Est-ce que vous comprenez? Partagez maintenant sur le cœur, s'il vous plaît. Il y a les gens ici qui parlent de monétisation. De toute façon, la page n'est pas monétisée. Donc, ne pensez pas qu'on fait des vidéos sur cette page pour la monétisation. Donc, ouvrez vos cerveaux. La page n'est pas monétisée du tout. Voilà. Donc, du coup, sachez qu'on fait un truc bénévole. Voilà. Donc, page monétisée ou pas, moi, je m'en bats les couilles. Est-ce que vous comprenez? Partagez maintenant, c'est le cœur. Taguez-moi Yaka Yaka de Paris ici. Il y a des choses qui se passent que, vieux, tu vois pas ça venir. Toi, ils t'ont pris comme une pièce dans leur jeu, au fait. Allez dire à Yaka Yaka, annoncer ça sur les réseaux sociaux. Et vu que ça vient de Yaka Yaka, voilà, au moins là, ça va tuer toutes les mauvaises langues. C'est comme ça. Famille, on va recommencer là. Vous savez, hein, nous avons un projet de voyage en Italie, c'est très important. Pour toutes ces personnes qui aimeraient, qui désirent voyager en Italie, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est épinglé, c'est très important. Nous prenons à partir de 18 ans et toutes ces personnes aussi qui aspirent à avoir une formation en hôtellerie. C'est très important. Contactez-nous au numéro qui est épinglé. J'ai dit, taguez-moi Yaka Yaka de Paris ici. Famille, j'ai suivi la vidéo de Yaka Yaka de Paris ce matin. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai suivi la vidéo de Yaka Yaka de Paris où je voyais que Yaka Yaka est en train de se lamenter de savoir pourquoi est-ce que jusqu'à preuve de contraire, on n'annonce pas les jours des funérailles de Bob Lee et pourquoi ils ont envoyé le corps de Bob Lee seul dans un avion qui allait faire plus de 1000 escales sur la route. Mais pendant que Yaka jouait l'audio, il n'y a pas quelque chose qui l'a interpellé. Pendant que Yaka Yaka jouait l'audio, il n'y a pas quelque chose qui l'a interpellé. Au fait, Yaka est là, c'est son ami qui est décédé, c'est normal. Il est dans ses émotions. Mais est-ce que tu as compris le discours de Lasso? Le discours de Lasso l'accable lui-même. C'est-à-dire le discours qui est sorti de la bouche de Lasso, ça l'accable lui-même. Parce que je peux comprendre que tu vis avec quelqu'un et la personne décède, tu es là. Et tu as l'heure à laquelle le gars est mort. Tu as le jour à laquelle le gars est mort. Parce que tu es avec lui, tu as ses cheveux. Mais quelqu'un qui vit seul, comment Lasso arrive à savoir que Bob lui est parti depuis le 11? Il y a une question que tout le monde doit se poser ici. Comment Lasso a eu l'information que Bob lui est mort le 11? Parce qu'avant de mourir, il n'a pas appelé quelqu'un pour dire, hey, allô, je suis en train d'agoniser, hein. Je suis en train de tomber dans la cuisine ici. Hein. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas appelé quelqu'un. Donc allons sur ce principe-là que Bob Lee vivait seul chez lui. Il vivait seul chez lui. Et donc si Bob Lee doit partir, là, les premières personnes qui doivent nous dire dans quelles circonstances Bob Lee est parti, là, c'est les médecins légistes. Ce n'est pas Lasso qui a sorti de nulle part là-bas. Venez nous dire que Bob Lee est mort le 11. Donc, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Qui ne tourne pas rond ici. Et Lasso précise encore dans l'audio. Il dit Bob Lee a été retrouvé dans la cuisine. Il dit dans l'audio que Bob Lee a été retrouvé dans la cuisine. Donc, ça fait quoi? 11 heures, ça veut dire qu'il donne l'heure et il donne le lieu où Bob Lee a été retrouvé. Vous vous rappelez qu'il y a un monsieur qui appelait chez Soulé de Paris. Où il donnait aussi la date. Il donnait l'endroit où Bob Lee est décédé. Il disait que Bob Lee, là, c'est en allant prendre
Sontez. Famille, partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Il disait que c'est en allant prendre son thé et que Bob lui a commencé à trembler. Il a tremblé, il est tombé dans la cuisine. Et c'est quand parce qu'il n'y avait personne et que Bob lui a agonisé. Écoutez très bien. Donc, l'assaut connaît le lieu, le monsieur connaît le lieu. C'est deux personnes qui connaissent le lieu. Voilà. L'assaut, jusqu'à présent, le côté, on n'avait pas l'audio de l'assaut. C'est le monsieur seul qui allait dire Bob lui est mort dans la cuisine. Et dans l'audio de l'assaut, l'assaut aussi confirme que Bob lui aussi est mort, en tout cas il était retrouvé dans la cuisine. Donc ces deux personnes qui se connaissent, on va écouter minutieusement. Famille, on va écouter minutieusement et vous allez comprendre quel plan ils ont mis en place pour terminer avec la vie du gars. On va écouter ici l'audio qui s'est passé entre, comment on appelle ça? Famille, partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Sinon le FBI ne va pas rentrer dans ses profondeurs. Partagez maintenant sur le cœur. Je vais vous faire ça propre sur Facebook. Toi, l'assaut, là. Toi, tu penses que toi, tu es babillé, quoi. Toi, tu penses que toi, tu... C'est-à-dire, toi, tu penses que toi, tu es trop intelligent, quoi. Toi, quelqu'un meurt. Toi, tu n'appelles pas la police, hein. C'est Yaka Yaka qui t'appelle. Quelqu'un est décédé, tu as l'information. Toi, tu n'appelles pas la police, hein. C'est Yaka Yaka qui t'appelle. Tu sais que toi, tu ne sais pas comment ça se passe, hein. Mais toi, tu connais l'heure à laquelle il est mort. On vient de trouver un corps le 24. Toi, tu arrives à savoir dans quelle date il est décédé. Vous allez nous expliquer ça. Vous êtes les enfants. Vous n'êtes pas les enfants. Si c'est pour ça, là, vous avez exclu tout le monde du deuil du gars ou bien la mort du gars. Là. Champion, on est sur le terrain. Et ça va être trop facile de gérer ça comme ça. Partagez maintenant sur le cœur, s'il vous plaît. Le FBI est là. Yaka Yaka, prends ton tabouret parce que tu vas tomber les nuits. Oui, tu vas comprendre que celui qui a appelé en Suisse, là, il est de mèche avec eux tous. Et pourquoi Soulet de Paris a décidé de charger l'affaire? Pourquoi il a décidé de charger l'affaire? C'était d'exclure tous ceux qui sont autour de Bob Lee. Partagez, invitez vos amis massivement, s'il vous plaît. Ça va chauffer. Ça va chauffer, oh, ça va chauffer. Ça va chauffer, oh, ça va chauffer. Ça va chauffer, oh, ça va... Je vous ai dit ici que j'ai fait un rêve où Bob Lee est venu me rendre visite. Et il est venu s'excuser. Ça, c'était deux jours avant qu'on annonce la mort de Bob Lee. J'ai fait un rêve, je suis venu vous dire ici que, ah, j'ai vu Bob Lee en rêve. Voilà ce qu'il est venu me dire. Il est venu s'excuser, il a demandé à ce que je présente les excuses à beaucoup de personnes qu'il connaît. Vous avez dit ici que, ah, l'unique, ça ne veut rien dire et tout et qu'on sort. Ce qui veut dire que Bob Lee, là, il vit en nous. Et qu'il sait que ses vrais parents sur les réseaux sociaux, là, ce sont les blogueurs. Parce que c'est entre nous, là, on faisait nos cassements de papo, on se bombardait ici. Donc, s'il y a les personnes adéquates pour gérer ce dossier-là, c'était les blogueurs. Mais pourquoi ils ont exclu tous les blogueurs dedans? Et puis, ils ont géré ça en famille. Ils ont géré ça entre eux, les gens de New Jersey. C'est parce qu'ils sont conscients que entre eux, là-bas, là, il y a quelque chose qui n'a pas tourné en rond. Il y a quelque chose qui n'a pas tourné en rond. On va aller tout doucement. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Mettez assez le cœur. On va écouter Yaka Yaka ici. Pendant qu'il est en train de faire il est en train de parler avec le gars. On va écouter ici. Écoutez attentivement. Il y a mes baffes, hein. Je mets baffes à cause de vous. Il y a mes baffes. Écoutez minutieusement. Écoutez attentivement. Je vais soulever le truc là. Tac. Voilà. Voilà, Yaka Yaka. Voici Yaka Yaka. Partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez. Ils sont en train de signaler. Attendez, mais je suis bas.
Attendez. J'arrive. Yaka, il y a baf, c'est bon, c'est bon. Attendez, je vais chercher baf, j'arrive. Si vous n'entendez pas bien, vous allez entendre. Mm-hmm. Excusez-moi. J'ai déjà baf, le vieux, c'est bon. Partagez, mettez à ce cœur, s'il vous plaît. Attendez. Il a ouvert la porte, cuisine. Est-ce que vous avez entendu? Ça, c'est là, c'est les gens de l'asso là qui sont, en tout cas, c'est l'asso et sa femme qui sont en train de parler. Il était couché dans la cuisine. Allons-y bien, hein? Regardez bien. Ok. Parce que moi, quand on est venu le 11, mm-hmm. c'est le 11 d'abord, mm-hmm. le problème, tout ça, entre le 10 le 11, et le 11. Le 11. Le 11, quand je suis venu avec Alfred, mm-hmm. on a tapé la porte, Moi, je l'ai appelé et puis il dit, c'est au dehors. Il n'a pas appelé. Il pourrait dire, Alfred, ah oui, c'est pour ça, moi, mm-hmm. moi, et puis lui, il a toujours, on fait pas moi. Il dit, quand tu appelles là, le petit là, il va jamais prendre le portable. Alfred, lui, là, il est là, il faut te calmer, ça fait aussi de toujours là. Et dit, ok, attends, j'ai écrit, je l'ai testé, il m'a dit, si tu n'as pas pris mon portable, je vais appeler la police pour dire que j'ai testé. Mm-hmm. Ça, c'était le portable est parti directement sur le messagerie. Mm-hmm. Donc, moi, je suis parti sur WhatsApp. Pour essayer de le joindre encore, mm-hmm. quand il a envoyé un message, automatiquement, le portable partait sur le message encore, le 12. Tu l'as appelé sur WhatsApp, le portable partait sur messagerie. Tu as envoyé un message, ça partait sur messagerie. Messagerie de WhatsApp, là, c'est comment? Il ne sait pas comment ça se passe, hein? Mais allons-y, mollo, il sait qu'on va s'en sortir. Donc, on retient quelque chose ici. Il a vu Bob Lee au salon. Et comment on appelle ça dans la cuisine? Et Bob Lee, il a appelé Bob Lee sur WhatsApp, le portable partait sur messagerie. Allons-y. Le 13, c'est la même chose. Donc, ça fait plusieurs jours qu'il est mort dans la maison là-bas.
Le monsieur a dit qu'il a fait ça à cause des mouches et il a suivi les mouches. Et à Kassakosan, Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Ok, on a très bien entendu. Attendez. Est-ce que vous avez entendu? On a très bien entendu, Yaka. Allons-y doucement. Doucement. Voilà. Parce que je pense que tu t'es fait berner, mais tu n'es pas au courant de comment ils ont fait un lavage de cerveau. Voilà, on a très bien entendu. Ici, on apprend que Lasso, il a appelé Bob Lee sur WhatsApp. Il a envoyé un message, le portable partait sur messagerie. Et le même encore, Lasso, il affirme ici que Bob Lee est parti le 11. Donc, normalement, il n'est pas censé affirmer ça. Normalement, il ne peut pas affirmer s'il n'est pas au courant de quelque chose. Si celui à qui il est en train de demander, là, la personne n'est pas au courant de quelque chose, les deux ne peuvent pas affirmer quelque chose. Que c'est parce que l'odeur et les mouches ont commencé à sillonner et que eux, là, ils se sont rendus compte que Bob lui est décédé. Donc bon, allons-y dans le truc même qu'on doit le croire même. Si les mouches et comment on appelle ça, l'odeur commence à sortir de la maison de Bob Lee, est-ce qu'on peut se dire que Bob Lee est vraiment mort le 11? Est-ce qu'on peut affirmer que Bob Lee est mort le 11? Parce que pour qu'on trouve un corps en putréfaction dans une maison, c'est qu'il y a longtemps la personne est décédée. C'est qu'on n'a pas le jour exact. On ne peut pas affirmer quelque chose qu'on ne maîtrise pas sur les réseaux sociaux. On ne peut pas appeler quelqu'un pour affirmer quelque chose sur les réseaux sociaux tant qu'on n'a pas le jour exact. Quand on donne le jour exact de quelque chose, c'est qu'on a participé à ça. Tu n'es pas médecin légiste, tu n'as rien pour accompagner le truc. Et puis tu viens, tu donnes des jours exacts comme ça. C'est qu'on a participé à ça. C'est qu'on était là. Oui, si Lasso nous dit que le jour Bob Lee décédait, là, lui et son ami qui sont en train de parler au téléphone, là, ils étaient là. Mais sauf que pour ne pas charger ça sur les têtes à cause des réseaux sociaux, ils ont préféré créer un mensonge, on peut croire. Mais venez affirmer devant tout le monde que Bob Lee se retrouvait dans la cuisine, tombé dans la cuisine, le 11, son corps était en putréfaction et que c'est les mouches et les quoi que ce soit qui ont appelé les gens, c'est qu'on doit se poser des questions. Soit qu'ils étaient là, quand le gars agonisait, ils ont vu, ils l'ont laissé dans la maison là-bas, ils ont fui. Soit, parmi les deux là, il y a quelqu'un qui a accompagné Bob Lee. Il y a quelqu'un qui a poussé Bob Lee rapidement. Parce qu'il dit là que c'est quelqu'un qui est en train de lui dire ça. Donc, entre les deux là, il y a quelqu'un qui a accompagné Bob Lee rapidement. Et l'autre en train de donner l'information comme si, voilà, c'est le 11 là, oui, il y a eu des mouches, il y a eu des cafards, patati patata. Famille, partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Faut qu'on apprenne à se respecter dans ce bon pays s'il vous plaît. Moi je n'ai pas participé à quelque chose, ils ne donnent pas le jour exact. Oui. Je n'ai pas participé à quelque chose là. Je ferme ma gueule. Je ne dis pas non que oui, ça s'est passé comme ça. Non, je ne peux pas dire ça. Mais quand tu dis des trucs exacts comme ça, que tu donnes même le jour, c'est que tu es au courant de quelque chose et que Yaka a été utilisé comme la pièce maîtresse pour jouer leur propre jeu. Mais on va écouter ici. Vous avez bien écouté. Hein? Écoutez très bien. Vous allez voir qu'eux tous, ils sont de mèche. Eux tous, à commencer même par Soule de Paris, eux tous, ils sont de mèche. Parce que là, il dit que Bob était retrouvé dans la cuisine. Alors que le même Lasso dit qu'il ne connaît pas celui qui a parlé dans le direct de Soule. Le même Lasso dit celui qui a parlé dans le direct de Soule. Lui, il ne le connaît pas. On va écouter, là, on va aller pas à pas. Parce qu'il va vous envoyer quelque part. Pour que vous compreniez que c'est eux-mêmes qui ont fini avec le gars. C'est-à-dire qu'ils se sont arrangés, ils ont mis quelque chose dans sa nourriture. Ou même, vu que, parce que le gars était politique, Bob lui faisait de la politique. Bob lui était dans tout. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, là, il y avait des règlements de compte. Qui sait? Donc, on va écouter ici celui qui a appelé chez Lasso. Et il y a dit celui qui a appelé chez Lasso encore. Celui qui a appelé chez Soule, là. On va l'écouter minutieusement. Regardez les détails qu'il donne. Regardez très bien. Il dit Lasso, c'est mon frère. Il dit à Soule que Lasso, là, c'est mon frère. Mais si lui n'habite pas aux États-Unis, comment lui sait que Bob Lee, là, Bob Lee est mort dans la cuisine?
Si ce n'est pas Lasso qui lui a dit ça, comment le monsieur qui appelait sous l'œil de Paris, là, il sait que Bob est mort dans la cuisine. On va l'écouter. Est-ce que moi, j'ai le temps. Moi, j'ai le temps. Je vous ai dit, c'est Facebook façon. Allons-y. On va écouter ici. J'ai le temps. Écoutons celui qui a appelé ce soulet de Paris. Écoutons très bien. Vas-y, soulet de Paris ici. Écoutez très bien. Famille, partagez mes tasses de cœur, s'il vous plaît. Et tu fais beaucoup pour cette nation. Aujourd'hui, les Ivoiriens fermeurs qui sont dans les sacs, qui savent que tu fais un travail pondéral et un travail des réconciliateurs dans ce pays, savent que tu fais beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Merci. Et le moment viendra, à la grâce de Dieu, et pourra te décorer. Nous prions Dieu, déjà que ta part, pour te donner une longue vie. Merci beaucoup. Merci. On ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Merci. Pourquoi j'interviens dans ce direct? Pour ceux qui vont reconnaître la voix, tant mieux. Mais Lasso, c'est mon propre petit frère, même père, même mère. Lasso, c'est mon propre petit frère, même père, même mère. Regardez comment le plan même, le plan machiavélique, regardez comment ils vont, au fait, ils ont utilisé Yaka Yaka comme les Naloma. Voilà, parce qu'il faut dire Yaka Yaka, Yaka l'a annoncé en premier. Nous, on sait que Bob est mort, mais allez dire aux blogueurs, ils n'ont qu'à annoncer. Comme Yaka Yaka est son meilleur ami là, Yaka Yaka n'a qu'à annoncer comme ça, nous, ça nous dédouane de tout. Écoutez très bien, partagez le direct massivement. Vous allez comprendre que ils ont arraché la vie à Bob Lee. Allons-y. Aux États-Unis avec ma mère, toute la famille. Et grâce à ce dernier qui Bob lui est arrivé aux États-Unis. Il y a des différents que j'en parle, je ne sais pas entre dedans. J'ai tout fait hier pour pouvoir te contacter des peu avant-hier. Il m'avait dit de t'appeler pour parler. Famille, partagez le direct. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler, s'il vous plaît. Partagez mes tasses de cœur, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le direct. Partagez mes tasses de cœur, s'il vous plaît. Voilà. Parce que nous, notre famille ne s'expose pas beaucoup. Il ne voulait pas intervenir, il ne veut pas s'exposer. C'est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis. Oui, parce que quand j'ai causé avec notre fils ici, je lui ai dit, mais attends, quand voilà, par rapport à la socopsie, comme ça, il me dit, non, mon vieux, voilà, Madouba. Vas-y. Oui, mon neveu Madouba, oui. Okay, vas-y. Il est parlé avec lui-même ce soir là. Ok, vas-y. Donc, c'est Madouba qui a été établi pour que moi je puisse intervenir. Comment et vous, on est là. Faut pas rentrer dans trop de détails. Normalement, c'est un inconnu qui appelle. Faut pas rentrer dans. C'est que Soul est déjà familier avec eux. Faut pas rentrer dans trop de détails. Regardez, hein, je vous dis que il y a quelque chose qui s'est passé. Allons-y doucement. Parce que si vous vous rappelez bien, la guêpe a dit que Bob Lee souffrait de. Allons-y. Merci beaucoup. J'interviens pour dire aux Ivoiriens que mon cousin Soulé de Paris est en train de vous donner la vérité exacte. Il vous donne le chronogramme réel du décès de Bob Lee. Bob Lee est exactement décédé. Il est véritablement décédé. Parce que c'est mon petit frère, même qui allait lui donner à manger. Même la mère de ses enfants connaît bien mon petit frère. C'est mon petit frère, même mère, avec la femme de Lasso qui allait lui donner à manger. Voilà. Celui qui appelle, il appelle de la Suisse. Il dit c'est Lasso et sa femme qui nourrissaient Bob Lee. Voilà. Que les gens arrêtent d'emmerder les Ivoiriens ici et venez nous dire la vérité sur la mort du gars. C'est mon petit frère, même mère, qui nourrissait Bob Lee, lui et sa femme. Mais quelles sont les deux personnes qui annoncent la mort de Bob Lee à Yaka Yaka? C'est Lasso et sa femme qui annoncent la mort de Bob Lee à Yaka Yaka. Arrêtez d'emmerder les gens là-bas. Foutez-moi, arrêtez d'emmerder les gens là-bas. La vérité est devant nos yeux, en train de chercher midi à 14h. C'est mon jeune frère qui est le président de tous les jeunes Ivoiriens. Il est très connu. Il est responsable de deux entreprises. Ça, je ne sais pas pour lui lancer des fleurs. Alors, il a découvert la mort de Bob Lee. Et la première personne qu'il a voulu rentrer en contact, c'était Souli. Mais il n'avait pas son numéro. Alors, pour pouvoir confirmer la mort, parce qu'il y avait trop de prix. Moi, son grand frère, j'étais en voyage. Moi, je suis rentré qui dit. C'était pas là, j'étais. Il a découvert la mort de Bob Lee.
La première personne qui devait appeler, c'était Soule, mais n'avait pas son numéro. Mais comment la femme de Yaka, la femme de Lasso est allée prendre le numéro de Yaka Yaka sur sa page, pendant que le numéro de Soule est sur sa page? Vous pensez que l'homme est bête, quoi? Vous avez pu utiliser Yaka Yaka comme une marionnette dans cette affaire. Vous pensez que l'homme est bête, quoi? Ça, là, c'est jeu de dame, c'est jeu de pion. Vous avez poussé votre pion pour mieux bouffer derrière. Mais non, on est mouton, quoi. Allons-y doucement. En Russie, il ne pouvait pas rentrer en contact avec moi, c'était un fichu non plus. Alors, c'est pourquoi il est rentré en contact avec Yaka Yaka. Dit à Yaka Yaka que d'arrêter de faire trop de polémique, il ne faisait pas Bob Lee a rendu l'âme. Les premières vidéos que Bob Lee avait faites, 4 jours ou 5 jours avant sa mort, il était convalescent, il était à l'hôpital. Les jours où il était à l'hôpital, il a eu une discute d'abord avec la mère de ses enfants. Et dans cette discute, nous n'allons pas rentrer dedans. Ça, c'est un problème de couple. Mais c'est une fille-là que les Ivoiriens lui disent merci. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire des politiques, en train d'exposer le canal de quelqu'un. Bob Lee est méchant. Que celui qui n'a jamais fauté lance la pierre à Bob Lee. Que celui qui n'a jamais fait un mal dans sa vie lance la pierre à Bob Lee. Vous êtes en train d'incarner un cadavre. Vous êtes en train d'incarner Bob Lee. Vous traitez Bob Lee de méchant. Mais la personne qui a insulté tous les Ivoiriens, insulté le père des Ivoiriens, vous le vénérez, qui est Johnny Pacheco. Mais vous n'avez jamais souhaité la mort de Johnny Pacheco. Quand l'homme de Bob Lee, nous, Ivoiriens, ne rentrons pas dedans. C'est l'homme de Dieu qui n'a pas compris le message de Bob Lee. Et elle a traité Satan ou des démons. Sinon, même Bob Lee avait parlé, c'était la glamour sur la mort de Didier Arafat. Béli, ça là, ils font ça, ils sont tous au courant. Hein. Ils font ça pour laver leur image. N'écoutez pas ce qu'il est en train de dire là, des balivènes. Toi, tu dis que tu as l'information sur Bob Lee. Écoutez, écoutez minutieusement ce qu'il va dire. Les vidéos, allez-y, regardez. Il n'a rien dit de méchant. Il a interpellé Tina Glamour, n'avoir pas pris connaissance de la valeur de ce qu'elle avait comme trésor. Aujourd'hui, c'est la mort de son fils. Elle va voir une clip, elle a perdu un trésor. Tout le monde l'a vu. Attends, deux secondes. Je vois, on me dit de confirmer cette affaire de mouche sur le corps de Bob Lee. Je vais remettre ici en cause qu'il n'y a pas eu de mouche sur le corps de Bob Lee. Ok. Je vais remettre ici en cause. Il n'y a pas eu de mouche sur le corps de Bob Lee. Au fait, je vous ai dit quoi? C'était pour faire passer Yaka Yaka. Hein? Pour leur marionnette, au fait. Et puis, eux, là, se crédibiliser. Parce que toi, sous le tien à Paris, toi, tu sais rien de ça. Toi, tu n'es au courant de rien. Pourquoi tu viens confirmer qu'il n'y a pas eu de mouche sur la mort de Bob, sur le corps de Bob Lee? Toi, tu n'es pas au courant. Toi, tu es au courant de rien. Toi, on t'a dit seulement. Comment toi, tu es au courant que là, il n'y a pas eu de mouche sur le corps de Bob Lee? Comment toi, tu confirmes ça? Comment toi, tu arrives à confirmer ça? Hein? C'est pour faire passer Yaka Yaka pour le larbin, en fait. Pour la personne qu'on doit insulter. Comme ça, vous allez venir laver vos sales. J'ai pas envie de rentrer dans Babiaya, hein. J'ai pas envie d'insulter même Laya. J'ai pas envie de rentrer dans Bab. Allons-y. Vous savez, il faut pas faire de... Même un exemple, hein. Il est décédé, le camp. Le 24, c'était quand? Nous sommes aujourd'hui le 29. Le 29. Je ne vais pas dire le 30. Il était le samedi. Mais comment un corps peut être en putréfaction? Est-ce qu'on peut sortir de cette considération-là? Mais sous le de Paris, si son petit frère, celui qui est en train de parler là, si son petit frère Lasso est venu dire à Yaka Yaka que Bob Lee est mort le 11, toi tu veux qu'on dise quoi? Hein? Donc tu crois au propos du petit frère qui est à New Jersey ou bien tu crois au propos du grand frère qui est en Suisse là-bas? Parce que celui qui te parle, il habite en Suisse. Donc tu crois au propos du grand frère qui est en Suisse ou bien tu crois au propos du petit frère qui est dans les narines de Bob Lee là-bas? Allons-y. Que le corps était en putréfaction, le corps était décomposé. Mais un corps en putréfaction, est-ce qu'on peut faire l'autopsie dessus? Non, sérieusement. Mon frère Soulé, vous dites
sérieusement, un corps impliqué. Donc, il faut sortir. Parce que ceux qui disent ça, là, actuellement, là, c'est ceux-là qui veulent voir le corps de Bob Lee. Mais vous ne verrez pas son corps. Ce que je vous dis, vous ne verrez pas son corps. Je vais t'aider à éclaircir bien ce paramètre. Pour ceux qui disent qu'il y avait des mouches, c'est assez faux. Bob Lee est mort dans la nuit du samedi aux environs de 23h45 à minuit. Mm-hmm. Bob Lee est mort dans la nuit de 23h45 à minuit. Là, il précise l'heure à laquelle... Il dit, ils ont fait mon rôle à propre même. Voilà, et puis là, il précise, son petit frère précise le jour. Lui, il vient préciser l'heure. Allons-y un peu. Allons-y. Il n'est même pas mort en tant que tel. Parce que s'il était avec quelqu'un dans sa maison, il aurait dû vivre. Parce qu'il est tombé dans la cuisine. Oui, il est tombé. Merci beaucoup. Il est tombé, c'est vrai. Il est tombé dans la cuisine en avant et il a son médicament. Non, on va commenter la petite partie, la famille, s'il vous plaît. On va commenter la famille. Maintenant, c'est le cœur. Pompez les cœurs. Faites vous signaler le direct, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. L'élément nous dit ici quoi? S'il y avait quelqu'un dans la maison, si c'est conditionnel, s'il y avait quelqu'un dans la maison, ce qui veut dire que à l'instant T où il parlait, là, où il parle plutôt, là, Bob Lee n'était pas avec quelqu'un. Bob Lee était seul. Entre ces quatre murs, il n'y avait personne. Il dit s'il y avait quelqu'un dans la maison, Bob Lee allait vivre. Mais comment on arrive à voir dans une maison? Comment on arrive à voir dans une maison pendant qu'on n'y est pas? Pendant qu'on n'est pas dedans? Comment on arrive à voir ça? Il dit si il y avait quelqu'un auprès de Bob Lee, Bob Lee n'allait pas mourir. C'est en allant dans la cuisine. Écoutez très bien la partie là. Je vais vous montrer. Il y a les joueurs encore. Il va les jouer la partie là. Écoutez très bien. Parce que là, c'est le vrai décryptage. On va aller fort. Parce qu'il est tombé dans la cuisine. Oui, il est tombé. Merci beaucoup. Il est tombé, c'est vrai. Il est tombé dans la cuisine. Il est mort dans la nuit du samedi aux environs de 23h45 à minuit. Mm-hmm. Et il n'est même pas mort en tant que tel. Parce que s'il était avec quelqu'un dans sa maison, il aurait dû vivre parce qu'il est tombé dans la cuisine. S'il y avait quelqu'un avec Bob Lee, il aurait dû vivre. Parce que c'est en allant dans la cuisine qu'il est tombé dans la cuisine. Pour qu'il puisse voir que Bob Lee est tombé dans la cuisine, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était là pour réciter de la manière que cette personne est en train de réciter là. Le grand frère de Lasso là. Parce que pour qu'on voyait quelqu'un tomber dans une cuisine, c'est qu'il y avait quelqu'un qui assistait à la scène. On n'est pas des dupes, on n'est pas des connards, on n'est pas né de la dernière pluie. Allons-y doucement. Il est tombé. Merci beaucoup. Il est tombé. Et sous le confirme ici que Bob Lee est tombé. Il confirme. Bob Lee dit il est tombé. Sous le dit il est tombé. Précisez ça bien. Il est tombé. Mais toi, sous le toi, tu es à Paris. Comment tu sais que Bob Lee est tombé dans sa maison? Comment tu sais que ça en allant dans la cuisine, il est tombé? Toi, sous le. Posons-nous de bonnes questions. On n'est pas des enfants. Voilà, les deux boules là, checker que vous finissez là. Nous, on finit ça aussi. Voilà, donc il n'y a pas quelqu'un intelligent qui s'en a mis sur Facebook. Comment toi, Soule, tu arrives à confirmer qu'il est tombé? Parce que tu dis, hein, il est tombé. On va revenir, je vais bien écouter Soule. Du samedi aux environs de 23h45 à minuit. Mm-hmm. Et il n'est même pas mort en tant que tel. Parce que s'il était avec quelqu'un dans sa maison, il aurait dû vivre. Parce qu'il est tombé dans la cuisine. Oui, il est tombé. Merci beaucoup, il est tombé. Voilà, est tombé. Merci beaucoup, il est tombé. Merci beaucoup, il est tombé. Donc, du moment que... Allons-y. C'est vrai? Il est tombé dans la cuisine en allant remuer son médicament. En allant remuer son médicament. Ce qui veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était assis là, qui assistait à toute la scène. Ce qui veut dire qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. Yeri, il y avait quelqu'un dans la pièce. Vous n'allez pas nous faire avaler ça. Il y avait quelqu'un avec Bob Lee le jour là. Parce que c'est en allant remuer son médicament que Bob Lee est tombé dans la pièce.
Donc, ce qui veut dire que le jour, là, soit l'assaut était là, soit la femme de l'assaut était là, soit le barbier qui est en train de réciter, là, il était là. Soit sous les auto au parfum de tout ce qui se passait là-bas. Comment ils ont planifié tout. Eux tous étaient au parfum de ça. Voilà. Eux tous. Ils étaient au parfum de ça. Parce que comment ils savent que c'est en allant remuer son médicament. Parce que nous, on est bêtes, quoi. Comment nous, on est moutons, quoi. Allons-y. Et quand il a commencé à trembler, il est tombé de Enlève le écouteur, enlève le écouteur. Non, t'entends mal. Enlève le écouteur, s'il te plaît. Alors? Enlève le écouteur, enlève ton écouteur. On t'entend mal, s'il te plaît. J'ai enlevé. Ok, vas-y. Faut répéter. Faut répéter, s'il te plaît. Voilà. Je dis, Bobli est mort la nuit du samedi aux environs de 23h45. Mm-hmm. Dans un premier temps, pour vous donner l'heure, la manière dont il est mort. Peut-être la maison qui lui a donné cette maison, lui a donné la maison à cause de mon jeune frère parce qu'il prie dans la même mosquée. C'est un Pakistanais. Donc, je vous comprends. Voilà. Mon petit frère est musulman. Alors. Non, qui s'est dit qu'on laisse les détails? Qui s'est dit qu'on laisse les détails? Il dit qu'on laisse les détails. Il est tombé dans la cuisine, il n'y avait personne pour l'aider. Alors, de la nuit à matin, le propriétaire de la maison a été interpellé pour la voiture de Bob qui s'était mal garé. Et c'est cette même voiture qui a interpellé mon petit frère de l'assaut. Mmh. Parce que l'assaut est passé, c'est par cette même voie qui passe, il n'habite pas trop loin de Bob. Ok. On va continuer le direct. FBI est là. Ah, désolé, si vous avez des personnes plus aussi intelligentes sur Facebook. Ok. Ici, on constate que le grand frère de l'assaut. Le grand frère de l'assaut, parce que Yaka a expliqué, Yaka n'a pas dit ce qu'il voulait. Parce que l'assaut, quand il est allé sur Yaka, il allait mentir sur Yaka. Il allait mentir sur Yaka. Maintenant, quand lui, il a appelé son grand frère, avant d'appeler Yaka, il a appelé son grand frère d'abord. Il a dit la vraie version à son grand frère. Ah, c'est gâté sur nous ici. Maintenant, après, maintenant, là, quand ils ont fini leur réunion, maintenant, parce que le grand frère dit, c'est parce qu'on n'avait pas saoulé de Paris qu'on appelait Yaka, on a demandé à ce qu'on appelle Yaka. Donc, il appelle Yaka, ce qu'il a expliqué à son grand frère, c'est pas ce qu'il explique à Yaka. Donc, il y a deux versions. Dans une affaire où il y a deux versions, là, mon frère, le coupable, c'est qui? Vous voulez qu'on cherche le coupable où? Le grand frère me dit que c'est l'assaut et sa femme qui nourrissaient Bobli. Pendant sa période de maladie. Voilà. Et c'est le même grand frère encore qui vient dire que c'est quand il partait prendre médicament, c'est son médicament dans la cuisine là. C'est là qu'il est tombé. C'est forcément l'assaut qui a appelé en Suisse pour expliquer ça à son grand frère. Maintenant, l'assaut là, quand il appelle Yaka, il essaie de laver son image. Parce que Alfred qui parle de lui là, hey, voilà. Les gens là sont trop petits. Alfred qui parle de lui là. C'est pas Alfred qui est en train de sauter deux jours là sur affaire de funérailles de Bob Lee là. C'est pas lui qui est en train de se manifester de partout là. Donc on considère ici que le propos de l'assaut. Yaka dit quoi? Il peut y voir, je vois. Partagez maintenant sur le cœur s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Partagez, mettez sur le cœur. Partagez massivement, mettez sur le cœur, s'il vous plaît. Donc, ici, on constate que ce que l'assaut allait dire à Yaka n'est pas pareil. N'est pas pareil avec ce que le grand frère de l'assaut, nous dit à Soulé de Paris. Donc là, vous cherchez le coupable, là, vous cherchez ça où? Voilà, parce qu'il faut avoir présence. Pourquoi on essaie de dire tout ça comme ça là? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Parce que tu n'as pas participé à quelque chose là. Tu ne donnes pas trop de détails. Il y a trop de détails dans cette affaire. Et pourquoi ils ont fait funérailles là et ils ont écarté tout le monde? C'est parce qu'ils sont conscients de leur truc qu'ils ont organisé. Ils sont conscients parce qu'ils savent que si on s'approche, si des gens vont à côté, ou bien les gens, y a des délégations vont à New Jersey. De bouche à oreille, il y
y a des choses qui peuvent sortir. Il y a des oncons qui peuvent sortir. Donc, ils ont organisé les trucs eux seuls là-bas. Ils se sont démerdés là-bas. Ils ont fini, ils ont transféré le corps. Et puis, ils ont... Pourquoi depuis là, on nous balance pas l'autopsie? Pourquoi on nous balance pas l'autopsie? Et même si on nous balance l'autopsie, vous savez que de nos jours, là, pour tuer quelqu'un, là, on n'est pas obligé de faire... De nos jours, même pour tuer quelqu'un, on n'est pas obligé de faire effort. Il y a des conneries là. Les gens font ça même là. Même par odeur. C'est tout, c'est bon. Tu gagnes temps. Tu gagnes temps. Donc ici, on constate que le grand frère de Lasso dit que Bob lui est mort dans la cuisine. Lasso confirme que Bob lui est mort dans la cuisine. Donc, bon, si les deux là ne se connaissent pas là, comment ils arrivent à savoir que Bob lui est mort dans la cuisine? Les deux ne se connaissent pas. On peut comprendre ça. Parce que Lasso nous a fait comprendre que le monsieur ne le connaît pas. Bon, si Lasso ne connaît pas le gars, comment les deux arrivent à savoir que Bob lui est mort dans la cuisine? Comment? Faut qu'on nous explique. Et aujourd'hui, là, ils se sont accaparés du deuil de Bob Lee. Ils ont écarté tout le monde. C'est fait sciemment. C'est fait sciemment. Parce que là, ce que vous devez savoir, là, si vous vous rapprochez de ça, vous allez connaître la vraie vérité. S'ils vont au village, pourquoi ils n'ont pas accompagné le corps de Bob Lee? Parce qu'ils savent que s'ils suivent le corps de Bob Lee pour aller jusqu'à Bodoku ou bien quoi là, là-bas, là, les gens vont faire des rites. Ça peut tomber sur la personne mais qui a tué Bob Lee. Donc, personne ne va accompagner Bob Lee. Personne ne va accompagner le gars. Et vu les précisions qu'ils disent dans leur vidéo, et là encore, là, on est parti sur un terrain glissant. Là encore, on se bat sur un terrain glissant. Je vous ai dit que quand il y a ce genre de débat, là, ceux qui parlent beaucoup, là, c'est les... parce que l'assassin, là, il revient toujours sur ses traces. Il revient toujours sur ses traces dans le but de se justifier. L'assassin, c'est toujours son comportement. Il revient toujours sur ses traces. Regardez quelque chose. Tous les, ceux qui se permettent de... Ceux qui ont fait les funérailles de Bob Lee, là, ils sont dans tous les directs en train de se justifier. Ils sont dans tous les directs en train de se justifier. Ceux qui ont fait les funérailles de Bob Lee, là, quand quelqu'un lance direct et que ça parle de Bob Lee, ils ont un mot à dire. Ils viennent, ils appellent, ils sont en bas et puis ils sont nous donner leur point de vue. Hein? Si vous n'avez pas de la vraie information, essayez de faire ça, essayez de faire ça, essayez de faire ça. Au fait, c'est pour laver juste leur image. Sinon, ils sont conscients dans quelles conditions le gars est parti. Ils sont en drap de ça. Parce qu'à la dernière minute, là, ils ont politisé le truc. Ils ont rendu ça politique. Ils ont forcé les gens à accepter que c'est politique. Ils ont écarté tout le monde. Ils ont écarté tout le monde. Ils ont géré le truc à leur manière. Ils n'avaient pas de compte à rendre à personne. C'est pour ça qu'ils attendaient voir d'un blogueur sur les réseaux sociaux, ils deviennent fous en même temps. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on rentre dans le tas. Ils ne voulaient pas qu'on cherche. Donc aujourd'hui, là, moi, là, si c'est à cause de vous, si c'est à cause de moi, là, y a de Paris, écoute-moi bien. Afin de vouloir partir dans le village de Bob Lee, là, faut taper l'œil. Oui, faut taper l'œil. Le vrai truc, c'est qu'il y a eu un règlement de compte. Celui qui a fini avec Bob Lee, là, il était sur place le jour, là. Celui qui a fini avec lui, il était assis sur place le jour-là. Il était là. Il a assisté à ça. Soit il n'a pas fini avec Bob Lee, mais il a assisté à ça. Bob Lee est tombé devant lui. Il a l'heure, il a la date. Soit ils ont fini avec lui. Parce que c'est Lasso et sa femme qui donnent à manger à Bob Lee. Donc, dans manger, on peut tout mettre dedans. Ou on est né quand? Dans manger, on peut tout mettre dedans. Parce que Bob Lee a fait des choses aussi. Il y a des gens qui ont gardé ça dans leur cœur. Il faut qu'on profite de la maladie de Bob Lee pour finir avec lui. Parce qu'il y a des choses qu'il a fait dans le passé. Il y a des gens qui ont gardé ça dans leur cœur. Donc là, écoutez très bien ce discours là. Ça se joue entre celui qui est en Suisse là, Lasso, la femme de Lasso, sous les deux Paris. Ça se joue entre les quatre. Maintenant, ceux qui sont autour là, c'est ceux qui viennent pour éteindre le feu. C'est-à-dire que ils viennent, oui, et comme c'est la famille, là, on est ensemble, on se gère. Quand c'est la famille, on est ensemble, on se gère. Parce que, si vous avez remarqué, là, c'est les pro-Gbagbo et puis les soroïstes, là, qui ont géré funérailles de Bob Lee.
Oui. C'est les propres Gbagbo et les Soros qui ont géré funérailles de Bobli. Mais vous pensez qu'un Soros va gâter, puis un propre Gbagbo va le vendre quoi? Ça ne veut pas le faire. Pourquoi? Vous pensez qu'un propre Gbagbo va gâter, un Soros va le vendre. C'est politique, c'est dans la tête. Donc c'est pour ça, sous les mêmes là, il les a tout confiés. Il les a, c'est-à-dire qu'il les confiait tout. Appelez tant. Parce qu'ils ont compris que fallait camoufler le truc. Si ça tombe dans les mains des blogueurs, là, on va casser les papos ici, babier. N'importe quoi. Ils ont vu venir à soi là. Non, Bobli est décédé. Bobli est ceci, Bobli est cela. Bobli n'a pas. Ils ont fini avec lui. Ils ont fini avec lui. Et Lasso, là, il est le premier, il dit bien premier commanditaire. Oui. Parce que quand ton frère décède là, la première des choses que tu fais là, tu vas déclarer tout à la police. Tu ne cherches pas à appeler blogueur. Il a appelé blogueur juste pour essayer d'effacer les traces. C'est tout ce qu'il a fait. Il a appelé blogueur pour essayer d'effacer les traces. Il a appelé Yaka, c'était stratégique. Et je suis sûr, je suis prêt à mettre ma main au feu. Avant qu'ils vont appeler Yaka là, ils ont fait appel à trois. Soul était dedans. Le grand frère était dedans. Et je suis sûr que Soul a dit, si moi j'annonce en premier là, ça va être mal vu. Mais c'est des politiciens, c'est des archivistes. Ils savent ce qu'il y a dans la tête. Je suis sûr que Soul a dit, si j'annonce en premier, ça serait mal vu. Appelons son ami Yaka. Quand Yaka va annoncer là, au moins tout va être sur sa tête là-bas. Au moins quand Yaka va annoncer là, tout reste sur sa tête là-bas. Maintenant nous là, on vient se jouer les souris musarettes. On siffle puis on mord. On siffle puis on mord. On siffle puis on mord. C'est pour ça qu'ils ont pris Bob Lee. Lui seul l'ont jeté dans ses cueils. Ils l'ont jeté dans l'avion. Et puis il est en train de partir lui seul à Abidjan. Il n'y a personne pour l'accompagner. Il est en train de partir lui seul. Actuellement, il est en train de partir lui seul à Abidjan. Il a dit même la mère même des enfants de Bob Lee même là. Il a dit, c'est un signe. C'est un film, ils ont bien organisé. Et puis, même la mère même, elle-même là, elle est ancrée dedans même. La mère des enfants de Bob Lee là, celle-là, celle que vous avez vue là, qui fait bien semblant de pleurer, Bob Lee est parti, c'est quelqu'un. Et toi-même, tu n'étais pas là. Toi et nous, là, on a reçu l'information le même jour. Tu n'étais pas là. Elle-même là, c'est la patronne même. On dit ton. D'après toi, tu dis c'est ton mari, non? On dit ton mari est décédé. Toi, tu vas descendre à lui, quoi. Vous-même, là, vous jouez, c'est. Vous connaissez pas la tradition africaine. Ils allaient faire prendre. Ils vont prendre cercueil de Bob Lee et puis ils vont courir derrière eux comme ça. Ils savent pourquoi ils sont pas partis à Abidjan. Ils vont prendre cercueil de Bob Lee et puis ils vont courir derrière eux comme ça. Maintenant, là, eux, ils vont pas partir. C'est toi, Yaka, tu allais te vendre. Faut pas partir, hein. Faut pas partir. Sinon, là, leur hors-jeu, là, leur connerie, ils ont fait, là, c'est toi qui as encaissé ça. Faut pas partir là-bas. Tant qu'ils ont plutôt pas dit, qu'est-ce qui s'est réellement passé, là. Faut pas partir là-bas. Faut pas mettre ton pied là-bas. Voilà. Ils ont organisé funérailles sans toi. S'ils doivent l'enterrer, là, ça doit être sans toi. Parce que ce qu'ils vont chercher, là, c'est de prendre enfant de quelqu'un et puis ils vont encaisser le hors-jeu. Quand tu ne connais pas nos parents de l'Ouest, là, ils vont dire, ah, comme les vrais meurtriers ne sont pas venus, là, voici client qui est là. Voici client qui est là. Comme eux, ils ne sont pas venus, là, et que lui, il est venu les représenter, là. Voici ça, prenez ça. Et puis ça va, bim. Voilà. Et puis toi, tu es là, tout est mélangé, tu ne comprends pas. Il ne faut pas encaisser le rambas de quelqu'un. Si eux, ils ne payent pas leur billet pour aller à Abidjan derrière Bob Lee, là, il ne faut pas mettre ton pied là-bas. Faut qu'ils viennent t'expliquer comment se fait-il que quand Bob Lee partait prendre son café là, ils ont su ça. Faut qu'ils t'expliquent ça. Parce que quand tu arrives dans le village de quelqu'un là, tu n'es plus parmi tes ancêtres. Hein. Tu es livré à toi. Chaque village a ses ancêtres. Donc quand tu arrives là-bas là, tu perds tes forces. On peut t'avoir comme on veut. Mais tu n'es pas chez toi. Donc tu vas te lever, t'aller dans le village de quelqu'un comme ça, quelque chose n'ont pas organisé devant toi. Ils t'ont rien dit avant de faire. Ils t'ont pas poussé à faire quelque chose.
Il y a une ici qui dit non, que tu es en train de faire des accusations graves. Ça, c'est accusation, ça. Je suis en train de dire que les acteurs, si on doit. Les acteurs de ce truc-là, hein, avec les propos qu'on a entendus, là, hein, le premier commanditaire, il y a le premier commanditaire, parce que s'il est le grand frère de Lasso, et que les deux disent deux choses différentes, c'est que le premier commanditaire, c'est Lasso. Il faut que Lasso vienne nous expliquer de quoi vous parlez. De quoi vous parlez. Vous parlez de quoi? Qu'on n'en faut pas accuser. Ils sont en train d'accuser. Ils sont en train de lire ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de confirmer ce qu'ils ont fait. Ou mais eux, ils sont en train de dire non, que Bob, il partait boire café, puis il est tombé là. Ils sont pas en train de préciser des choses aussi. Là, on ne doit pas les poser question. Il y avait qui le voyait en train d'aller boire café? La maman de l'enfant de Bob Lee. A fait même. Yeri, on va mettre l'antenne dans cette affaire-là. Quel jour, même les parents de Bob Lee s'en foutent de ça. C'est vous. Toi, tu es en train de vivre ta vie, petite, ta vie paisible ici en France, tranquillement. Voilà. On ne t'a pas appelé dans quelque chose. Hein. Toi, tu as chargé ça. Hé, hey, l'amitié a des limites. Hein. L'amitié a des limites. Yaka, yaka. Il y a des niveaux d'amitié là. Hein? Enlever ton pied est mieux. Oui. Quand ton ami là, ton ami sont en train de faire des choses sur lui et que tu vois que ce qu'ils sont en train de faire là, si toi tu vas trop dedans là, tu risques de prendre balle perdue là. Enlever ton pied est mieux. C'est pas pour en charge. C'est une affaire de mort. Hein? Toi mais tu vois comment les parents de Bob sont en train de se comporter au pays là-bas. Et tout l'avenir qui est devant toi là. Quel jour on t'a pas appelé. Déjà même, on t'a annoncé qu'il est décédé. Depuis, ils sont organisés, on t'a pas appelé. Tu as t'élevé, tu as parti. Ah! Toi, tu es ce nouveau, ils sont Dida. Hein? Ah bon, d'accord. Tu es ce nouveau, ils sont Dida. Donc, il faut savoir prendre tes gardes. Du moment qu'on t'a pas tout dit, là, tu es là, tu regardes de loin. Voilà. Le comportement des parents de Bob Lille. De la même temps, tu regardes, là. C'est quelque chose, on doit aller dans un village comme ça. Non, si ça se passe à Abidjan, vu, on peut comprendre. Mais te lever comme ça, aller à Abidjan, c'est pas bon. Ceux qui pensent que je suis dans l'affirmation, moi, je me bats les couilles d'eux. Je dis ici, calculement parlant, on est dedans et puis on va pas se laisser. Donc ici, simplement, vous devez comprendre que il y a quelque chose qui va pas. Et vu que j'ai écouté l'audio de Lasso, tu n'es pas crédible dans l'affaire. En vérité, tu n'es pas crédible. Ta femme, elle n'est pas crédible dans l'affaire. On va aller un peu. Doucement. Est-ce que vous comprenez? Famille, comme je le dis toujours, c'était l'unique. Pour ce soir, demain encore, là, on framponne. Pour ce soir, je dis toujours que pour toutes ces personnes qui ont envie vraiment, qui achètent en Chine, voilà, qui achètent en Chine, qui aimeraient se faire livrer, en Côte d'Ivoire, sachez que nous avons notre entreprise qui est représentée en Chine, voilà, et qui fait des livraisons en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui achètent sur Alibaba, pour ceux qui achètent un peu partout sur le site en Chine, ou bien si vous voulez que notre entreprise fasse des achats pour vous en Chine et vous les envoyez. En tout cas, nous achetons de tout. Nous achetons de tout en Chine. Vous pouvez nous faire confiance, c'est très important. Parce que voilà, nous avons monté un truc et que nous avons besoin de votre confiance, de votre main dans notre entreprise pour faire évoluer. Donc pour ces personnes qui achètent en Chine sur Alibaba, sur n'importe quel site ou qui ont besoin que l'entreprise achète des matériels ou quel que soit, nous achetons. En tout cas, nous vendons, nous achetons de tout sauf l'homme. Nous les livrons, que ce soit les voitures, les caterpillars, les gros engins, tout ce que tu veux acheter en Chine, tu nous contactes au numéro qui est épinglé le plus 225-01-61-10-63-89 par WhatsApp, s'il vous plaît. Vous venez, notre entreprise va prendre soin de vous et on va vous livrer le colis en Côte d'Ivoire en bonne et due forme. C'est très important. Maintenant, pour ceux aussi qui aimeraient bien avoir une formation en hôtellerie en Italie, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est épinglé. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Vous avez droit à un visa de 1 an, un titre de séjour, hébergement, l'assurance maladie, formation de 5 mois accompagnée d'un diplôme. Après cela, voilà, vous avez le droit de rester en Italie pour travailler ou partir partout dans le monde. Faites ce que vous voulez, tranquillement. Et puis, les choses avancent dans votre vie. Le coût du projet, il a 9000 euros. Et nous, on se sert de vous accompagner jusqu'à ce que, voilà, réussite soit faite pour que vous vous sentiez bien et bien posé. Parce que la formation, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Très important. Pour toutes ces personnes qui aimeraient participer, nous prenons à partir de 18 ans jusqu'à 59 ans. 18 ans, 59 ans, si tu as un diplôme minimum BEPC. Voilà.
Pour ces personnes, on ne prend pas des personnes qui ont déjà fait des demandes de visa sur l'espace Schengen, mais de façon touristique. Tout ce qu'on fait des visas, des demandes de visa touristique, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas vous prendre. Pour toutes ces personnes qui aimeraient vraiment bien participer à notre projet de voyage, n'hésitez pas aussi à nous contacter au numéro qui est épinglé le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Maintenant aussi, là, nous sommes à la recherche d'une secrétaire. D'une secrétaire en comptabilité. Voilà, une secrétaire en comptabilité, mais qui connaît un peu toutes les histoires de marketing. Voilà, qui connaît un peu, qui sait, qui parle bien le français et aussi qui aimerait, qui parle, comment on appelle ça, qui parle bien le français et qui parle un peu l'anglais, un peu, parce que l'anglais pas trop, un peu. Nous cherchons une secrétaire en comptabilité qui parle un peu, qui connaît un peu marketing, mais qui parle bien français et un peu l'anglais. Si vraiment tu peux postuler, tu as besoin d'un emploi et que tu veux travailler à Abidjan, n'hésite pas aussi à me contacter au numéro qui est épinglé le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. M'envoie un message plus votre CV. Voilà, on va essayer de faire des entretiens et puis voir si on peut vous embaucher pour des éventuelles rencontres dans le but de faire évoluer l'entreprise. Ne vous inquiétez pas. Voilà, nous sommes des patrons beaucoup, beaucoup compréhensifs et on sait qu'on peut essayer de gérer ensemble et évoluer ensemble. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous avez des parents qui ont des diplômes, qui ont envie de travailler, voilà, on a besoin d'une personne de terrain, quoi, une personne vive, parce que c'est quelque chose qu'on doit évoluer ensemble. Et puis après, maintenant, essayer de mettre les choses ensemble et tout à avancer. Est-ce que vous comprenez? Donc, venez massivement, envoyez vos CV, je vais les récupérer au numéro qui est épinglé par WhatsApp. Et puis moi, je le récupère. On va faire des entretiens téléphoniques. Si tu es apte, on te choisit. Si tu n'es pas apte, on te dira tout de suite que non, on n'a pas besoin. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.